Bonsoir Patrick. Bonsoir. Je suis contente de te voir ici à New York. C'est chez toi ici? Oui, c'est chez moi. Et c'est à New York. Là, on est... c'est mon appartement, c'est la terrasse, tu vois. Enfin, quand je dis chez toi ici, c'est chez toi à New York. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans un magasin de disques, on ne peut pas rentrer dans une discothèque, ou on ne peut pas écouter la radio, ou regarder la télévision sans te voir ou t'entendre. Tu es complètement intégré, tu es complètement new-yorkais. Alors j'aimerais savoir comment s'est fait le passage de la langue française à la langue anglaise, et comment tu es devenu américain. Ben, ça a commencé par... c'est marrant parce que c'est dans le fond, c'est tout un voyage, puisque ça a commencé par, Jean-Michel Jarre en France, avec qui j'ai travaillé. Et avec qui on a fait Où sont les femmes, qui était une chanson que tu dois connaître. Oui, je connais. Tout le monde connaît. Et puis, une fois qu'on a fait cette chanson, on a gagné un Oscar disco à Montréal, à Québec. Et Montréal, si tu veux, ça m'a rapproché de New York. Ça m'a fait connaître des gens qui travaillent aux États-Unis, qui travaillent à New York. Ils m'ont dit, mais pourquoi vous ne chantez pas Où sont les femmes en anglais? Bon, et ensuite, ça a été donc l'enregistrement d'un 33 tours oui. En anglais, complètement en anglais, dans lequel il y avait I Love America, voilà. Et c'est là que tout a commencé ici. C'est ça, I Love America était plus fort, je pense, que Où sont les femmes en anglais, et ça a commencé comme ça. Écoute, tu es un vrai New-Yorkais, en plus un New-Yorkais connu. Est-ce que tu veux me servir de guide? Voilà, c'était une très jolie balade dans les rues de New York de Patrick, qui est très connu ici. Ouais. C'est vraiment la grosse vedette du disco à New York.